La partie marketing me prend un mois par an, déclare Verstappen. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Max? C'est pareil pour tout le monde, hein. Est-ce que c'est une plainte encore, Max? Alors, voyons. Toujours pour le journal de Télégraphe. Le calendrier de plus en plus encombré n'est pas vraiment un problème pour lui. Après tout, les courses sont la raison d'être de Verstappen. Son principal problème, ce sont les activités de marketing qui lui prennent beaucoup de son temps libre. Un jeudi avant un week-end de course, c'est parfois déjà très long, même si ça dépend de l'endroit où on se trouve. En dehors des Grands Prix, il y a aussi le travail en simulateur. Mais je consacre plus d'un mois par an au marketing, par exemple. À un certain moment, t'as plus envie de faire ça. Un mois par an, ça fait 30 jours sur 365. Franchement, c'est pas si énorme que ça, hein, je trouve. Hein. Avec sa petite amie Kelly Piquet et sa fille, Verstappen a aussi une petite famille. Comment le Néerlandais combine tout ça? Ma petite amie Kelly comprend le monde dans lequel je vis. Ça fait la différence. Quand je suis à la maison, j'essaie de combiner cela le mieux possible. Moi, je dirais que ça se plaint beaucoup là, du côté de Max. Hein, voilà. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des interviews, qu'il se plaint de sa situation, qu'il n'a pas trop de temps libre, etc. Bon, je trouve ça un peu déplacé, moi. Qu'en pensez-vous?